Gros complot maré pour touiller chef gang Fontamara qui c'est Chris là. Il a pli Izo ak Timakak nan la boule 12 getan mouté blanc pour éliminer mouché Chris là et pour venir mettre yon lot chef en dan Fontamara. Et plan li rivé nan diakout nous pral partager ensemble avec ou. Et forme du tout, la police arrêté yon kidnappé dans zone Mibal, un jeune petit garçon après le fin participer dans un kidnapping qui était fait sur un petit moun 8 l'année dans commune Kwa de Bouke. Et fòm dou gen bandi Bogi nèg sa yo ki nan titanyen yo touye un jeune petit garçon qui pote nom DFT. Mbral bò pou ki raison nèg yo fin touye jeune petit garçon et après ça nèg yo boulèl selon information. Comment nous y est, moi souhaite que nous en forme, moi souhaite que nous tienbe. Nous connaissons dans zone Matissan, gagne un petit monsieur Tilapli Izo kap toke kon avec mouché Tibois qui c'est Chris là. Et ben nèg yo gagne un plan bien détaillé, bien défini que yo gagne là pour capable prendre mouché Chris là pas longtemps. Puisque nous connaissons Chris là broumé sous deux tableaux, li en face nèg yo dans Matissan. Et dans la zone la boule, il est obligé de mettre quelques nègres disponibles pour être capable de toquer compte ensemble avec M. Timakak. Dans le week-end qui s'est passé là, il y a un chita parler qui fait en trois timisiers. En parlant de Tilapli, M. Izo et avec Timakak. Nègres chita parler pour définir qui stratégie qui est capable d'employer pour prendre Fontamara dans le même M. Chris là qui est un danger. En dans institut Genève. Mais qui ça nèg yo fait comme plan? Selon information qui me gagné, forme du Timakak c'est un gros bras armé, Izo c'est pas parlé, mouché Tilapli même ça son l'autre encore. Et ben nèg yo font un plan, yo monte un complot pour capable envahir Fontamara. Et nèg yo font seul poté bouer et on dit seul poté bouer ça, yo supposé bail résultat. Abgé mouché Timakak qui a cerné zone Fontamara en haut ap gen Tilapli k ap pran nan mitan et puis Izo pral tann nèg yo en bas pour capable pran yo nan yon embuscade bi sortan de ya pou yo jwenn tèt mouché Chris la parce que c'est long ti mesye yo fè konnen sak fè nèg ti bwa yo an pimpan kon sa raison k fè nèg yo ap pran pose pa pèpè pap c'est parce que chef la toujours envie en parlant de Chris la qui toujours ap mobiliser nèg yo ap fè mental nèg yo pour vous faire comprendre, yo ces soldats passé ti monsieur Izo yo. En parlant de ti monsieur Tilapli yo également. Mais mes chers amis, information que me gagne c'est ça, nèg yo gen tan chita parler, un plan bien défini, un bon complot gen mouté pour yo fann tête mouché Chris là nan Fontamara et pral gen un autre chef qui pral remplacer mouché Chris là. Et nèg yo obligé faire rapide vite raison, c'est parce que yo nous connaît dans zone Kafoufeuille, dans zone Savane Pistache. Si la pital tente mette on joue, moun yo kouri del malgré nèg yo toujou ap tire coup de balle avec moun ki nan Kafoufeuille, est-ce que comprendre? Mais nèg yo di quand même zone sa ki vin tout non rival pour nous en parlant de Tilapli Izo Timakak, est-ce que comprendre? Mais nèg yo di il faut que yo font façon pour yo fini avec Radier si là une fois pour tout. C'est parole là ça. L'autre détail, l'autre information qui m'a ba nous, faut me di nous bandi exam au niveau de route nationale numéro 1 nèg sa yo qui fait alliance ensemble avec Izo 5 secondes cap bay en pile problème cap simen la tout blay et ben yo touye un jeune garçon ça li rele DFT c'est Timoun Cabaret et bien fòm djou mouche DFT mouri bien bonnet matin yo fin touye l après ça yo boule mais gen moun nan zone lan di c'est tout vivant oui yo ta boule DFT pour qui raison. D'après premier élément information que nous gagnons, si monsieur Titan yo, gang Titan yo qui gagne dans tête li Bogi, c'est eux même que peuple cabaret a acquisé qui touye DFT parce que yo acquisé DFT comme quoi li c'est un jeune garçon qui toujours a bail ti chapeau NH la information des bandits yo de comment nèg yo fonctionner dans zone. Et ben DFT qui te kon fait quête pour bail moun la fito qui déplacé au manger. Malheureusement, nèg titan yo yo éten soufli. M'ap rappelé nous, nèg sa yo joine et m'capable di sipo
petit monsieur village yo parce que yo habitué passer sous la mer vinn faire kidnapping dans akaye vinn faire kidnapping dans cabaret et nous connaît gen un gros entrepreneur un gros autobre dans question business dans pays d'Haïti qui négo tal enlevé en dedans et plage li. Est-ce que vous comprenez? En tout cas mes chers amis pays d'Haïti nous a déjà li vendre dans zobo et tout dirigeant honnête yo d'accord pour ça gen là pour style toujours à persister les nous apprendre que mouche Ariel Henry déjà acheté en pile machine, en pile télévision figi plate, li déjà on prend acheté en pile autre bagage, en pile Gianni pour le faire quelque chef de gang dans pays d'Haïti cadeau parce que pour eux même alors on capable dire c'est chef de gang yo qui kembe Ariel Henry encore sous pouvoir. Mon j'ai habité répéter tout autant c'est Nexao qui là. Tout autant c'est régime ça cap peser cap soucé quant à pour gangsterisation phénomène ça, il pas jamais suspendre parce que bandi yo joue un rôle important dans la politique que magouye yo a fait dans le pays d'Haïti dans le moment m'a parlé avec nous là. L'autre détail, l'autre information qui m'bral ba nou, gen chauffeur ti makak là. Selon information, la police arrête un petit jeune garçon, m'a regardé monsieur plein tatou sous lui. C'est un dread, en pile moun fait connait son gang, on volé, on kidnappé. M'pa gen nou monsieur non, même gen image li et m'pensé au capable garde image si là à travers écran appareil. La police arrête monsieur et selon information yo, c'est un chauffeur chef gang Timakak. C'est un chauffeur principal chef gang si là et bien, nan moment monsieur a prend ti plaisir, la police qui te gen alerte sous lui, la police croise le bab pou bab n'importe où prince là, yo prend, yo fouke tout aussi là. Alors là vraiment en pile, la police veut travail d'arrache-pied et m'a tout voyé un message, yon alerte by PNH là. Dégagez nous pour mettre Jean-Jacques pour nous si nous capable sécuriser la caille. L'aime dit la caille nous en parlant des routes frais c'est la caille nous c'est là toute police net prend naissance l'aime dit toute police a dit profession on un métier a l'ovle vinn devenir un policier c'est là il toujours bon rendez-vous pour aller fermer nos espaces pendant 6 à 9 mois pour former pour gradier sous qualifié pour capable devenir un policier qui donc monsieur me souhaitait radies qu'a passé dans bloc la caille nous pour pas fait encore. De ce fait, dégagez une couette mettre Jean-Jacques pour nous capable de mettre en sécurité 5 sur 5. Comme ça, je pense que Bandi, il va jouer sentence, il va jouer avec Zo Grigno parce que ça va arrêter comme ça. Imaginez, directeur Académie Police mourir assassiné dans quartier. Est-ce que vous comprenez? En même temps, mes petites filles, Renel et Renaud Georges, ils sont marqués assassinés dans le même endroit pendant la sortie de l'Académie. Finalement, bandi yo, yo gen cible la. Bandi yo kon ki yes, yo vle atake. Si nous gen tan comprenn jwet la, pour ça nous même, nous va chercher konnen rek jwet la, pour nous entrer dans jwet la d'emblée tout, pour nous montrer bandi yo, que c'est sous récif que y a monté. En tout cas, je pense que nous tendez grand pile police qui met plateforme si la, bon ce message si la, c'est vraiment important. L'autre détail, l'autre information, la police maré, un jeune garçon 23 l'année, qui pote nom, Augustin Dinardo. Monsieur c'est Timoun Saint-Michel de la Talaye, la police arrête elle dans Mibale. Pour qui ça la police arrête elle, c'est peut-être lui impliqué dans un kidnapping et en même temps qui tout suit avec une disparition un jeune, on capable dire un Timoun qui gagne 8 l'année. Li rele Braon. Miné ça négoté enlevé dans commune Croix-des-Bouquets dans fin mois d'octobre qui sont passé là. Négo fin mandé parents en somme d'argent pour capable bay en échange de libération effectivement parent bay kobla mais par la suite nèg pa jam libéré ti moun nan jusqu'à ce que li disparaisse bien la police tal joine monsieur nan mi balè yo fouke tout aussi là et pour moment on parle avec nous là c'est pas seul monsieur qui nan men DCPJ mais gen kèk moun tout nan cadre même dossier ça que la police té arrivé fouke suite avec parole qui té sorti nan bouche Dinardo. Tant coup gen loun gen black c'est sous nom ça que on connaît gen madame black là lui-même que la police arrêté ainsi que Mimose Elvius qui c'est maman Augustin Dinardo kidnappé tout monde ça yo là mes chers amis la police fouke yo pour suite légale dans dossier si là et forme dou opération si là pour moun ça par la suite capable arrêter c'est deux côtés la police tamé opération si là. La police allait dans ville au Kay et en même temps dans commune Croix-des-Bouquets. Donc la police sous travail
bayo information à temps pour capable faire travail là comme ça doit et pour tout bandit qui a bay problème dans la République pour joindre avec zo grenyo pour joindre avec ça qui a cherché. J'aime tout vous dire même si elle fait noir pour occuper l'elle puis fait noir c'est les ça qu'il va le jouer. La police débarque, la caille Joël Kaoli, lui une compile zam, lui prend Joël Kaoli, lui fait arrêter. Si ça gagne, dans le monde mon ami nous parler, après adoter sous bazoi au Joël Kaoli, au tout gang zam, tout gang zam et alors. En tout cas, alors on va nous play, c'est que il faut nous mettre là en contexte d'abord et même m'app suivre et alors pour nous faire transition, Isaïe, et sous dossier, on a maintenant, moi-même son dossier m'a suivi à tel point, moi-même j'ai campé des négos red, parce que ça gagne pour et à respect haïtien yo, que là où campé des haïtiens, nous campé des haïtiens yo, et il est bruit que gagne une délégation qui était sortie Port-au-Prince, qui était rentrée et puis qui mano militaire a ouvert barrière. Dessous des barrières, gagné une organisation, un groupe de citoyens de la société civile de Wanamet qui dit eh ben clairement eh ben yo protesté contre et délégation ça alors action délégation ça a fait côté que yo vinn forcer yo eh ben yo vinn dessous des barrières parce que ça yo t'a demandé dans un premier temps c'est respect ou du moins c'est excuse publique bon côté des magistrats et d'abord là qui te dit que haïtien yo qui te font déclaration que yo te jugé qui pas correct ou te yo te exigé respect mais l'en songer ça fait me songer et dossier et en bas alors ancien consul et haïtien dans Santiago dans moment te gagne un descente des lieux de la police nationale d'Haïti dans quelque business dans Santiago et ben gagne droit haïtien qui t'a violé consul qui te getan qui c'est Jean-Jacques qui te getan et yo te getan rappelé li mais comme konnen principe administrativement les rappelé ou pas ka quitter et poste là comme ça li t'ap tann moun qui te pou venir remplacer là consul qui te pou venir remplacer là et ben pendant ce temps haïtien on en difficulté hein puisque il était toujours dans consulat et ben il t'a porté soutien le haïtien ça te fait m'te étonné ouais comportement gouvernement haïtien qui te rappelé que monsieur Jacques pas dans poste il pas dans il pas consul encore donc ça veut dire côté moun nan al pote soutien bay haïtien au lieu que alors même colonel qui te fait descente là li mande excuse oui ça veut dire gouvernement haïtien t'a dû camper derrière ancien consul là c'est eux même qui t'a demandé pardon, yo t'a demandé pardon à la République dominicaine et pour ça que fait là. C'est même action ça qui fait, c'est magistrat qui t'a supposé demander pardon et ben c'est nous-mêmes les décalmandé dominicain pardon parce que nous t'ai fermé barrière, parce que nous t'ai fermé barrière pour t'ai exiger respect pour concitoyens nous qui a déporté dans mauvais conditions en République dominicaine. Donc et gagné nous on dit nous pas gagné. Non, nous Silva. Donc mon Wanamet et ça c'est un groupe dans société civile là qui te fait une conférence de presse pour être capable présenter situation en janté. Considéré qu'il a maltraité le patriote en République dominicaine qui a déporté Mounio la nuit. Tout au long de la frontière, elle est considérée. Nous gagnons 4 points officiels avec la République dominicaine. Elle est considérée. L'État haïtien va dire rien pour Mounsaïwa. Elle est considérée. En 1999, il y a un protocole entre deux États qui te dit pas de droit de déportation samedi, dimanche, la nuit. Au-delà de 6h du soir, pas de droit de déportation. Avant 8h du matin, pas de droit de déportation. Nous-mêmes qui sommes société civile, la laine gardée, nous est l'État ça, l'État prédateur ça nous est là. L'Isservi avec même démarche, les touillots ont massacré les compatriotes en République Dominicaine. Démarche que Vincent te fait. Non, c'est ça. Nous-mêmes nous estimons, si l'État inactif,
Si l'État livré pour patriotes nous, nous même nous pas arrêter. C'est dans ce ça. Nous démonter sous frontière. Nous allons dans le pont qui relie République Dominicaine avec Haïti. Pour nous faire une citine. Pour nous dire dans cette citine, compatriotes nous, c'est vrai. Pas que l'État, mais qu'il y a un peuple solidaire et qui tenait compte des mauvais traitements qu'il y a subi en République Dominicaine. Tout de suite, après cette citine, magistrat d'Abonna, en l'occurrence de Santiago Rivelon, lui-même l'a découvert l'indigné parce que nous ne sommes pas nation, nous ne sommes pas un peuple, nous ne sommes pas un pays, nous ne sommes pas un droit. L'université sous point zéro à fond. Égal, il dit, c'est un chantage qu'on a fait. Après la population que nous avons accompagnée a dit, ils ont décidé à continuer à accompagner nous, frontières fermées. C'est dans ce sens, barrières à dessouder. Les barrières à souder, même Santiago Rivelon, ça. À travers l'autorité qui n'a pas là en République Dominicaine, nous demandons nous chita. Nous te disons même en temps de guerre, nous parlons avec tout le monde, mais pour nous parler, nous disons si nous pour nous, il faut que nous fassions une excuse biblique. Au moins, pour parce qu'elle crache sur les voisins cette ou parce qu'elle crache sur l'unité nous comme peuple, comme nation. L'IPA décide de faire ça. Et de l'autre côté, nous avons l'État central qui a fait pression sur nous, qui a intimidé nous, qui a une délégation, qui c'est Paul Henri Voltaire qui était dans la tête de la délégation, ça qui sorti. Et Port-au-Prince avec Wolfe Val, nous avons sorti Port-au-Prince, nous avons débarqué tout le protège qui est dans la police, nous avons débarqué Waname, nous avons dit Chita avec nous, nous avons dit nous, j'en nous voulons, parce qu'il y a un officier qui chef, et qu'il y a un grand jeu économique qui est là. Nous-mêmes, est-ce que un jeu économique est important pour payer que compatriotes nous ont violé les droits, ils ont violé les femmes, ils ont déporté les femmes, ils ont quitté les mamans, ils ont pointé les gens et ils ont plagié de tous côtés de la frontière. Dans ce sens, nous te dit l'État, directeur de CPA qui est venu, il te dit lui-même qui est force pour débloquer les frontières, qui tout voulait, qui tout va bien. Nous te dit l'État qui est monopole violence là. Je dis que nous faisons, mais nous-mêmes, ces populations, nous avons accompagné. Quelle que soit sa population, nous avons continué à faire. Dans ce sens, nous-mêmes, nous décidons d'aller sur la frontière. Les magistrats arrivent là, pas de faire une excuse publique. Ils disent pas de gens qui ça. Autorité nous, traverser une fois encore, nous cracher sous mes bras sans cette douleur. Nous traverser en République Dominicaine pour aller se dire calmement des pardons. Représentant gouvernement haïtien, représentant Ariel, traversé pour Haïti et autorité dominicaine, autant plus souple, pas occuper nous, c'est si nous avons renoué, c'est eux qui chef, c'est eux qui ont pouvoir. Ils ont utilisé un groupe contrebandier qui mettait tête avec Caracol, ensemble avec un groupe multinational qui a un projet, l'argent qui a boissé droite de frontière, et il a fait trafic d'organes, il a fait tout ça pas bon. Non, c'est ça, même les gens qui ont payé l'argent, ils ont utilisé un groupe mercenaire, ils ont crassé les barrières de force. Nous disons, nous-mêmes, revendication pas nous, c'est revendication droits humains, c'est revendication des gens qui opprimé la société. Nous pas disons pas des politiques nous avons réglé, nous c'est société civile, nous n'avons pas accompagné la population parce que nous, la population, a laissé pour compte. Nous continuons dans la même démarche, nous continuons. Population, tout ça qui a passé et nous pouvons pour nous accompagner la population dans toute ça la loi comme prérogative pour nous continuer de défendre droit nous à des voix que nous gagnons envers pays ça nous pour aller jusqu'au bout peuple la kounia bataille là dans les amis qui dans diaspora qui t'a supporté bataille là support nous toujours important monde qui sur tout territoire qui t'a supporté nous la presse parlée écrite et télévisée l'autre organisation qui en République Dominicaine qui défend nous, qui écrit nous, pour dire nous cause de défendre son cause qui noble, son cause qui est son cause qui juste, nous toujours ensemble avec nous. Nous-mêmes, nous continuons sur même lancée. Bataille pour bien-être collectif, pas de jambes facile. Nous sommes toujours contents. Nous pouvons faire capitaliser, pas de jambes perdre du bataille. Maintenant, nous venons là pour nous dire, capitalisation, cessez avec diversion. Pas faire ça, pas faire peuple ça. Pour que c'était là, rien nous vient dans nous. Nous détournons 4,2 milliards de dollars américains dans le serré de la République Dominicaine, dans le fait business avec la République Dominicaine. Nous-mêmes, nous estimons dans la société. Ce peuple-là, par les
que pas accompagner nous. Pita fitis parce que Ariel Henry pour une colonisation allemande. République Dominicaine pardon. C'est République Dominicaine qui peut faire nous exister. Non c'est ça. Maintenant, nous venons là pour nous dire la presse. Tout le monde concerné, quelle que soit couleur politique au monde. L'église, produisant, Mandala, c'est nous tout cap d'affaires. Et nous pouvons ensemble, nous pouvons aller plus loin. Bataille pour bien être là à continuer. Hasta la victoria, c'est le plus. Et c'était à la conférence pour te dénoncer et délégation ça qui était sorti dans capitale là qui t'allait ben écraser barrière. Alors j'ai entendu dire là et l'un du craser ouvert barrière. J'ai entendu dire là c'est ta autorité dans pays qui gagne et monde qui a dirigé et priorité monde qui a dirigé c'est citoyen li. Premier priorité moun k'ap dirijan c'est citoyen li parce que c'est citoyen li qui c'est qui boss li. Donc yo même par rapport avec déportation massive violation droit moun qui a fait en République Dominicaine yo te fait silence total ça pas de garder yo alors que nous wè depuis gen chien qui mouri à l'étranger yo fait tweet yo voyé sympathie yo voyé soutien yo bay famille chien alors que haïtien yo traité autant qu'un chien en République Dominicaine eh ben et c'est là qui dit aux autorités fermer bouche nous tout nous t'es well c'est il a fallu un article de CNN et de alors de New York alors moi c'était un reportage de CNN alors t'es un reportage de CNN et moi New York Times t'es font article tout côté au parler de situation hein, c'est là la presse internationale parler de situation hein, c'est là ça ouais et ben ouais une note qui sorti ou te dit et puis même là encore oui pour ouais ça ou te dit donc population lui même qui senti laissé pour compte lui te prend courage li à deux bras li fermer barrière pour exiger primo respect alors yon excuse publique de la part de magistrat deuxième bon condition ou du moins bon traitement de haïtiens yo qui yo même a vivre en République Dominicaine tout pays gen des politiques migratoires tout pays les États-Unis fait déportation et la France tout alors tout l'autre pays fait de déportation maintenant République Dominicaine capable de faire déportation. Mais il y a des gens pour le faire. Il y a des traités qui signent entre deux pays. Il y a des traités internationaux qui signent sous question droit monde, sous question droit et femme enceinte, sous question femme petit monde. Maintenant, c'est ça, puisque la population, la société civile, nous avons dit que l'autorité fait silence, nous avons lagué pour compte, et bien, nous avons pris courage à double. Même comprendre mal pour une délégation sous type Port-au-Prince à faire pression jusqu'à ce que yo ouvre barrière mais ça va raison à République Dominicaine ça va raison à raciste yo en République Dominicaine qui continue à passer droit haïtien en papier gen qui mouri nous tendez témoignage yo gen les a courir derrière dans champ pour qu'on be yo tire sur yo nous tendez misère que y a fait. Il y a passé. Le même pense que ça qui passé. Au contraire, toute notre frontière, on doit marcher dans la même logique qu'on a maintenant pour te fermer, pour te exiger autorité pour une décision. Tu vois, respecter eh ben accord qui signe entre deux pays. Mais on pas fait ça. Le même pense que quel que soit les amis ça et ben et groupement ça et qui était bail conférence ça. Depuis n'attend de là nous capable contacter et émission radio radio éclair émission matin débat vous capable reler moi même dans 38 68 23 41 pour nous capable gagner yon pour nous capable présent hein dans Wadamet pour nous connaître vraiment qui l'autre mouvement que n'a gagner pour nous faire pour nous continuer et protester contre mauvais traitement que haïtiens eux même y a subi dans pays Saint-Domingue. Je me trouve c'est lâche et bon et pas même lâche même me trouve c'est l'on pas qu'à même répondre à responsabilité ou pas même qu'à assumer responsabilité comme dirigeant
lorsque ces populations qui fait, et c'est normal pour eux continuer de traiter nous comme ça parce que nous ouais nous sommes paquet petit mis sans gardon, nous sommes paquet petit cabrit 100 mètres qui gen code nous bloper dans cou nous et puis qui lagué dans savane là pas gen monde cap veiller sur nous. D'ailleurs, ils traitent nous n'importe comment, ils font n'importe vieille déclaration sur nous, pas gen monde qui dit rien parce que pas gen monde cap défendre droit haïtien pas dit mon yo rien. En tout cas, Napton, j'en dis un, et société civile dans Wanamed capable contacter Josué Lexidor dans 38 68 23 41 ou bien n'importe monde qui dans émission Matin Débat dans l'idée pour nous capable gagner Dieu nous braquer sous Wanamed sous qui va aller la bien matin cap gagner pour fête dans Wanamed. Eh bien bon, nous gagnons Esaïe sous question institution Onan. Pile monde pas oublier même si existe cette institution ça là. Et puisque donc gagnons un problème surtout nord-ouest et il était parlé de Conan qui veut prendre deux bateaux pour de paix. Mais un bateau était prend la nuit. Alors et grand pile monde parlait de piraterie et bateau au cap, mais institution Conan même. Et nous gagnons Maître Louture, qui sont techniciens en droit, et ancien député 50e législature, et NEC Sud-Est. Et bien nous gagnons ensemble avec nous là, député Louture qui prale, ou bien Maître Louture qui prale, dit nous, et Konanan qui s'allie. Maître Louture, bonjour. Bonjour, collègues à toutes. Nous saluons Josué, nous saluons Zahir, nous saluons Nouko. Salut, JDP. Je salue tous les auditeurs Matin Débat. C'est un plaisir pour m'interagir avec large auditoire à travers l'émission Silla. Alors, qui ça Conald? Conald, qui définit comme Commission nationale de lutte contre la drogue, Conald, c'est une institution qui est créée par un arrêté pris en Conseil des ministres sous la présidence de M. Jean-Bertrand Aristide le 31 mai 2002. Institution si là, sa création, il a inscrit li n'est capable d'y dans cadre mise en œuvre en loi qui prend avant lui, qui lui-même daté du 7 août 2001, relative au contrôle et à la répression du trafic illicite de stupéfiants. Alors il s'agissait de mettre en œuvre loi 7 août 2001 par la création de quelques institutions que loi ça lui-même lui prévoit, notamment dans l'article 102 loi 7 août 2001, il prévoit création Conalda, commission de lutte là. Ouais. Donc lorsque ils ont créé en 2002, c'est en quelque sorte mettre en œuvre la loi de 2001. Nous pas oublier tous quelques engagements internationaux que Haïti contracté, notamment l'OLCIE, la Convention des Nations Unies et contre la criminalité transnationale organisée. Donc, le fait que Haïti ait signé et convention si là malgré le poco ratifié, mais et création qu'on a dans lui-même, il traduit une sorte de volonté politique exprimé au niveau du gouvernement haïtien pour que Haïti capable d'embarquer les tout avec la communauté internationale là dans la lutte contre le trafic illicite de la drogue. Donc c'est dans ce sens ça yo bali des attributions qui n'ta capable dire qui allait dans ce sens, notamment Conald li gagne pour attribution pour lui définit la politique publique nationale de lutte contre la drogue. Donc c'est tout à fait compréhensible puisque c'est lui-même qui occupe de la question. Or, il n'est pas capable de faire des résultats sans plan de lutte, sans planification, sans politique publique. Et donc, il est là pour définir la politique nationale de lutte contre le trafic illicite de la drogue. Il participe tout dans la mise en application de cette politique nationale. Et puis, l'idée est fondamentalement pour lui coordonner toute activité que qu'on a la fait ainsi que tout l'autre service que l'État a gagné ou bien tout
l'autre ONG, activité ONG qui cherche dans le domaine qui là, que ce soit ONG nationale, que ce soit ONG internationale. Donc, lorsque vous avez intervenu en Haïti, il a agi sur le sol national. Konal a une habilitation légale pour coordonner activité et institutions. Et puis enfin, Konal a gagné tout habilitation légale pour représenter le gouvernement haïtien quand il s'agit d'activités qui a fait dans l'international en lien avec le trafic illicite de la drogue. C'est un peu ça, Konal. C'est une institution qui est relativement jeune, mais qui n'est pas capable de performance liberté en deçà des attentes. Et ça fait justement que matin débat n'a questionné performance. Oui. C'est parce que justement performance était en deçà des attentes. On s'attendait à beaucoup plus et par rapport avec ça qu'on a gagné pour faire et par rapport à l'ampleur trafic illicite de drogue dans le pays d'Haïti. Oui, mais voilà, c'est où est ces drogues là, mais après ça a une série de responsabilités quand même en accord avec le gouvernement haïtien. Mais qui rôle de cap du chef gouvernement, premier ministre là gagne dans la commission? Alors qu'on a de la ligne en tant que commission, il travaille sous l'autorité de la primature. Il travaille sous l'autorité de la primature. Cela dit, premier ministre a un rôle important que le jouer dans faire fonctionner Konadi. Notamment en termes de dotation budgétaire, en termes de définition de politique et publique de lutte contre la drogue, et en termes de logistique, à tous les points de vue, en termes de formation, à tous les points de vue. Et bon bagay qui clair que nous gagnons là. Par exemple, quand bagay qui passe port de paix, gagne deux bateaux que le gouvernement haïtien reproché. Bon, est-ce que c'est le gouvernement haïtien? En tout cas, il a reproché parce que il a joué une munition. Parce que bateau port de paix pas capoté gros bagay, c'est bagay marchand. C'est pas même gagne waf port de paix. Waf pour t'apporter, c'est bagay sac et manger. Ben, donc munitions ou mettez non boîte ou mettez non sac et d'après mettre bateau c'est que li pa gen droit fouiller à faire mon sous dog et Miami et si yo même yo konn bagay effectivement gon mauvais marchandise qui paraît moun nan déclaré yo konnen gon bagay la dèk pa bon faut que yo di mettre dog là relé et de gabdo la police qui n'aime pas le c'est pas la police non policier qui ou bien sécurité qui en chargé dans bagaille dans douane et mais dans le cas contraire yo pas gain pour fouiller bagaille mon yo mon a déclaré affaire et yo prend non et yo prend non tout qui est capable de prendre bagaille là en Haïti objet là c'est ça que fait responsabilité à venir direct sur nous maintenant ça qui rive pour deux c'est que yo joine munition et mettre bateau dit yo pas sous compte aux États-Unis yo pas bay responsabilité ça sous mettre bateau dès pour nan déclarer affaire c'est d'elle yo pral chercher et ça fait les vinn porter bagaille là donc là prend non l'adresse li téléphone li tout bagaille et bien il arrive que bateau sous la mer et puis bagaille là té la justice et puis en soirée ouais vers 7-8 heures du soir, yo a lumière sous la mer, c'est point ouvrir point bateau, c'est quand yo pirater yo. Yo personne pas de connait ça qui passé. C'est après et peut-être et qui est-ce qui a agi? Non, m'a pas su exactement ça qui t'est passé. Yo était la nuit et puis les regarder yo a lumière sous la mer, laisse chaque moun mobilisé pour yo courir, yo dit mais gen moun nan bateau la nuit et puis les regarder yo déraper avec bateau. Pas une personne qui te connait côté au météo. C'est avocat bateau qui vient joindre c'est au cap. Le arrivé au cap, avocat bateau au port de paix. Allô cap, le arrivé au cap avec un jugement qui a gagné un appel. Et ben cause gars dit bateau c'est météo là c'est pas sous compte. Donc si au besoin bateau mais qui non moun y a relé. Yo ben non. Monsieur Georges Racine. Le avocat
relé Georges Racine, Georges Racine dit c'est Conald. C'est pas c'est Conald. Bon. Ça veut dire pour Port de Paix c'est des bagages qui piraté. Vous comprenez? Maintenant, ça m'a semblé mando là. Est-ce que samedi a été metté en auction comme si Conald t'a pris le vendre bateau? Premier ministre pas au courant et d'après vous même est-ce que Jean Saute expliquer techniquement Walt Conal là c'est normal li c'est li cap vendre pour l'état j'aime comprendre là. Alors il est difficile pour émettre un jugement parce que gagner trop.